Gros bonsoir pour nous toutes. Nous comptons rentrer la CAI nous aujourd'hui, nous mercredi 24 juillet 2024. Nous rentrons la CAI en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC pour que nous capables venir informer nous deux ensemble pour cap dominer l'actualité pour la CAI pas nous avec l'autre bord de l'eau. Mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer dans le journal aujourd'hui, gagner pour le ministre haïtien Gary Conille qui lui-même a parlé avec plusieurs acteurs clés dans le pays. Pour capable de discuter sous renforcement état d'urgence dans un pays. L'autre information que nous parlons ensemble avec nous dans le journal, gagné France Terminus qui nous lui-même nommé hier mardi 23 juillet en tête inspection générale police nationale d'Haïti. Eh bien, c'est actuel, eh bien, inspecteur général dans ça concerné, inspection générale dans la police nationale d'Haïti. Et puis, gagné l'autre bord de l'eau, gagné vice-présidente américaine, n'a parlé de Kamala Harris, qui lui-même lancé une campagne libre officiellement hier mardi dans Wisconsin, qui c'est eh bien un état clé pour élection présidentielle dans le pays États-Unis. Kamala Harris déjà très confiante de tête que la capable remporter élection cap vinila. N'a toujours été l'autre bord de l'eau dans le pays États-Unis pour nous dire gagner premier ministre israélien. N'a parlé de Benjamin Netanyahu qui lui-même dans le pays États-Unis côté que il était participé dans le Congrès américain et pendant participation là dans le Congrès il déclarait États-Unis doué eh bien débloquer un autre militaire un autre moyen eh bien pour capable renforcer eh bien un pays Israël par rapport ensemble avec Gaza que le pays Israël même gagné l'a affronté un groupe qui est sorti dans Hamas. C'est ensemble point ça avec plusieurs les autres n'a gagné pour que nous capables venir développer dans journal là mais c'est pas la président. Nous donnons après président, il y a l'autre fois encore n'a profité occasion pour nous saluer tous les amis internautes qui déjà connectés côté que n'a suivre journal ça, un journal qui fait en collaboration avec VOA Creole. Bienvenue dans développement journal là. N'a démarré journal là avec information en bon la caille pas nous pour nous parler de premier ministre Gary Conille qui lui-même t'a chita parler ensemble avec plusieurs entités au sein de pays dans l'idée pour que capable renforcer les questions eh bien qui gagnent dans l'état d'urgence sécuritaire que le premier ministre lui-même l'été décrété faut nous dire rencontre ça a été faite mardi 24 juillet 2024 là gouvernement haïtien avec plusieurs entités clés parmi eux police nationale d'Haïti les forces armées d'Haïti pour être capable discuter sous consolidation état d'urgence sécuritaire qui est décrété dans le pays hein, selon information qui est relayée par bureau primature là premier ministre Gary Conille l'été accompagné avec plusieurs membres dans gouvernement là et l'été présidé réunion ça qui c'est une réunion stratégique représentant au état-major FADH là gagné au état-major PNH là et sans oublier commissaire du gouvernement doyen tribunal première instance à Port-au-Prince ainsi que maire dans chaque commune dans région métropolitaine là et gagné l'autre institution qui était concernée également dans réunion ça. Rencontre ça a gagné pour objectif principal pour renforcer action qui visait à consolider état d'urgence sécuritaire qui est décrété sous 14 communes dans le département l'Ouest et dans l'Artibonite. C'est pral yon occasion pour le ministre Dr Gary Conille avec membre gouvernement yo pour que tu capable articuler les synergies nécessaires et prend une décision dans l'idée pour que vous capable eh bien mettre un bout ensemble avec crise socio-sécuritaire et puis humanitaire que pays lui-même a connu actuellement là d'après sa que primature fait connait dans notre client. Gagné un ministre stratégique qui était également représenté dans rencontre ça, notamment gagné ministre justice sécurité publique là, gagné ministre défense là, intérieur à collectivité territoriale, gagné ministre travaux publics là, transport à communication, ministre éducation nationale là, ministre économie et finance là et sans pas oublier ministre planification yo, tout monde ça yo était bel et bien présent dans rencontre ça.
Il y a l'autre institution clé tout qui était bel et bien présent. Parmi eux, il y a direction immigration et émigration, autorité portuaire nationale, administration générale des douanes AGD, office national identification ONI, délégation l'Ouest à conseil national télécommunication au Conatel. Ils ont tout été bel et bien présents dans la rencontre. Le Premier ministre Gary Conille souligné que priorité gouvernement là, c'est pour capable de résoudre la crise sécuritaire qui est là, lui exprimer confiance lui. Ak implication en membre dans population et à tout l'autre secteur la vie nationale pour capable mettre un bout avec criminalité dans un pays. L'autre information que nous pral wè dans journal là et bien pral mener nous wè dossier et sécurité et surtout nomination au sein de la police nationale d'Haïti gagné France Terminus qui lui-même nommé hier mardi 23 juillet 2024 là dans tête inspection générale police nationale d'Haïtien li succédé Fritz Saint-Fort qui était dirigé institution ça pendant 3 ans. Ancien commissaire divisionnaire là Franz Terminus c'est un monde que on connaît bien dans système là dans la police là il était dirigé brigade anti criminel BAC et il était directeur renseignement généraux sorti 2007 pour arriver 2011 Terminus était directeur dans centrale police judiciaire ça que nous relais DCPJ eh bien nous souhaiter succès ensemble avec actuel eh bien IGPNH n'a parlé de France Terminus qui lui-même était installé hier mardi 23 juillet comme inspecteur général dans la police nationale d'Haïti. N'a pas quitté information yo pas bon la caille pas non pour que nous capable aller à l'étranger l'autre bord de l'eau eh bien gagné monsieur ça qui relait Benjamin Netanyahu qui lui-même exhorté les pays États-Unis pour capable débloquer une nouvelle aide militaire pour un pays Israël. Il y a plusieurs manifestants qui ont protesté eh bien, devant le Congrès américain contre dirigeants israéliens. Côté que eh bien, le procureur CPI a demandé un mandat arrêt pour crime la guerre et crime contre l'humanité que M. Salim Emni fait. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé le jeudi mercredi 24 juillet un discours devant Congrès américain, malgré te gen yon protestation de plusieurs milliers manifestants, nan occasion sa, dirigeant État hébreu li exhorté pays États-Unis pour capable débloquer yon nouvelle aide militaire pour pays li Israël et li dit li rete confiant sous libération plusieurs otages li déclaré et n'a cité moins très convaincu par rapport ensemble avec effort et qui couronné ensemble avec succès c'est ça que dirigeant lui-même li déclaré pendant que li remercier président Joe Biden pour ensemble effort que li fait en faveur otage dans assemblée pour capable coûter leader israélien qui trouvé le Nawa Agamini et bien ex otage 26 ans Benjamin Netanyahu l'était ensuite rendu un vibrant hommage à l'ancien président américain Donald Trump l'y déclaré et n'a cité moi voulais remercier président Trump pour tout ça que l'il fait pour un pays Israël c'est ça que l'était lancé pendant que l'il dénonçait tentative assassinat qui était visé eh bien un candidat républicain n'a parlé de Donald Trump. L'autre information que nous pralouais eh bien dans un journal là gagné Kamala Harris qui lui-même c'est vice-présidente et pays États-Unis eh bien qui lui-même lancé campagne et c'est Kamala Harris qui est très confiant li lancé eh bien campagne li dans Wisconsin et li té profité pendant lancement ça pour té attaquer un concurrent là n'a parlé de Donald Trump vice-président pays États-Unis qui c'est une nouvelle candidate pour investiture démocrate là Kamala Harris li lancé campagne officielle li mardi dans Wisconsin yon état clé pour élection présidentielle cap gen pour fête dans pays États-Unis en novembre cap vini là li pas hésité pour té capable attaquer adversaire républicain Donald Trump li té accusé de le fait que li
plonger pays dans chaos. Eh bien, à peine candidat est déjà en campagne, l'hypothèse enthousiasme autour de l'irruption qui était gagnée dans la course Maison Blanche. Kamala Harris li te campé eh bien nan diskoul côté que li te attaqué eh bien rival li Donald Trump candidat parti républicain présidentiel en novembre li fait connait que n'a cité moins vle eh bien mener pays moins pi devant mais pour autant gagner l'autre candidat qui lui même vle mener pays pi derrière d'après ça que vice-présidente pays États-Unis li déclaré dans allocution que li te gagner dans ville Milwaukee mais li fait connait que nous pas tourner derrière eh bien nous praler devant c'est une raison qui fait que américain yo gain choix pour que yo capable voter et fond dit que eh bien Kamala Harris vice-président pays États-Unis, il fait connaître que il joint tout support Joe Biden pour que il capable aller dans élection yo. C'est ensemble information que nous te gagné pour que nous te capable partager ensemble avec zami yo. N'a invité yo rete connecté pendant que VOA Creole lui-même la continuer ensemble avec reste nouvelle yo. Pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis, gros manifestation devant Capitol Hill là, dans le moment Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié la guerre Israël contre Hamas là devant deux chambres congrès réunies. Toujours ici aux États-Unis, président Joe Biden a parlé pour le mettre à soir un message devant le peuple américain dans la première apparition en public depuis qu'il était testé positif pour COVID-19. Vice-président Kamala Harris trouvait dans Indianapolis dans cadre campagne pour joindre aval délégué pour représenter le Parti démocrate là dans l'élection novembre. Et puis dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny rencontrait plusieurs secteurs sous état d'urgence sécurité qui touchait deux départements à 14 communes. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pas le développer pour dans un petit moment gros nouvelle là c'est Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui lui-même les prend la parole devant deux chambres congrès réunies jeudi à côté que non seulement lui expliquer et guerre pour qui ça l'a mené Israël l'a mené guerre contre Hamas là pendant que lui-même lui dénoncer monde qui pas dans même position avec en allant rejoindre Valéry Osseloui. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu te fait louange pour unité États-Unis ak Israël. Et li te fait louange président Joe Biden nan un discours qui te chauffé en pile devant Congrès jeudi mercredi a qui te provoqué un boycottage par plusieurs gros démocrates et qui te attiré plusieurs milliers de manifestants devant Capitole là pour condamner la guerre dans Gaza avec crise humanitaire que li t'a crié. 9 mois après la guerre dans Gaza, Netanyahu a cherché renforcer support États-Unis pour continuer bataille pays li contre Hamas ak l'autre groupe armé que pays Iran a appuyé. Because when we stand together, America et Israël doivent camper ensemble. Les nous camper ensemble, nous bagage vraiment sans privé. Nous gagnons et yo perdu. Benjamin Netanyahu te mette sous vesli yon broche à drapeau israélien ak américain sous yon bord et sous l'autre bois yon broche jaune qui exprime solidarité ak otage israélien que Hamas kembe. Benjamin Netanyahu t'est entré dans la chambre assemblée américaine jeudi mercredi après-midi et puis il t'est recevoir une ovation dans tous les partis avec seulement quelques démocrates qui t'est chita pendant tout l'autre monde t'a battu bravo pour lui. L'une des démocrates ça c'était député Rachida Talaïb. C'était celle palestinien américaine dans le congrès. Les républicains ont applaudi Netanyahu avec enthousiasme pendant que le parti démocrate là dans la chambre n'était moins enthousiaste eux-mêmes. Puis fondant démocrate t'est campé avec battre bravo mais yo t'est moins voulé bail premier ministre Israël là une salutation enthousiaste. Six moun qui était dans galerie qui baille sous espace chambre côté d'histoire table déroulé a te mettait sous yo maillot qui dit gérer contrat à Kounia. En façon pour mander Netanyahu pour joindre un contrat pour retourner otage. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. N'a pas demandé Valerio pour parler. Valerio, c'était un discours qui était très long et gan pile l'autre gros point que l'été abordé dans question notamment guerre là notamment tankou so deal et collaboration coopération avec les États-Unis pour li li dit que États-Unis après rapprêté yon allié indispensable pour les États-Unis. Dis-nous l'autre point encore que nous peut-être capable signaler encore pour les téléspectateurs Valérie. Tout à fait, Jacques. L'autre point que nous avons signalé, on précise que c'est la quatrième fois que la parlé devant le Congrès,
Eh bien, dans le commencement du discours, un discours qui a duré, Jacqueline, à peu près une heure de temps et plus. Il était rappelé attaque que Hamas a fait le jour 7 octobre, année passée. Il parlait de 250 otages et qui parmi eux, il y a 175 qui ont libéré et 6 autres otages qui étaient sauvés. Il y a un otage ça, qui est Noah, il était dans la salle là, pendant qu'il a fait le discours. Il était chita, bon côté madame, lui, Sarah. Et il y a plusieurs autres familles otages qui ont même tout été dans la salle là. Les qualifiés militants Hamas qui te fait attaque ça, de monstres, c'est des monstres qui ont. Les remercier président Biden pour aider dans la libération d'otages et support pour Israël. Les présenter tout, Jacqueline, quelques membres de l'armée IDF Israël là, qui ont même tout été dans la salle là. Les qualifier de soldats courageux et les présenter comme des héros. En bas, gros applaudissements, nous avons applaudi soldats. Famille soldats israéliens, ça y est, présent tout dans la salle là. Ils promettent avec en pile conviction que Jean de attaque au pape jamais fait encore dans le pays Israël. Merci Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis qui t'a banou yon idée de discours ça que Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait devant deux chambres congrès réunies jodi a. Et en absence, t'es gon moun qui t'es brillé par absence, si bien que y a plusieurs démocrates qui patent là. Mais eh ben t'es gagné et Kamala Harris qui jouait rôle et président Sénat, eh ben le pat là t'es gagné obligation électoral qui fait que le patla mais et d'après on note qui sorti bon la maison blanche, eh ben et l'a gagné quand même pour le rencontrer avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et puis n'a signalé tout pendant que et premier ministre israélien lui-même il tape fait discours devant deux chambres congrès réunies, t'es gagné en pile manifestation qui t'a fait dehors pour dénoncer guerre que Israël a mené contre Hamas là, et puis avec quantité moun qui mouri dans Gaza. Et yo parle de Konya, d'après dernier chiffre, li presque rive 40 000. Donc on a rejoint gentil Augustin Junior qui lui-même était présent dans la manifestation ça. Jeudi 24 juillet 2024 là, nous là dans Pennsylvania Avenue côté un groupe pro-palestinien réuni pour venir manifester contre présence Netanyahu qui en dans congrès a qui a présenté un discours devant parlementaires. Yon palestinien qui vit aux États-Unis te parlé avec nous et te expliqué nous pour qui ça li présent dans manifestation ça. I'm here is to protest. Moi ici là pour protester contre moun sa yo qui quitte Benjamin Netanyahu vinn parler devant Congrès États-Unis. Yon chef la guerre qui commet génocide. C'est une honte pour États-Unis. Et moun ki kite le vin parler là, li derrière massacre qu'a fait sur peuple palestinien. Ak fami moins l'autre bord. Nan yon pankat, nou te li Bibi. L'en depose palestinien. Ki sa Bibi a vle di? Li te répond nous comme ça. Bibi is the short name for Bibi, Netanyahu. C'est non yo bay Netanyahu, premier ministre Israël là. Qui descend va les villes nous, les li vini ici là, c'est men ça. Et nous ici là pour dire li pa bienvini. Pour dire que seul côté li doyé, c'est dans la haie devant tribunal criminel international là. C'est pas seulement pour palestinien qui était dans la rue jeudi 24 juillet 2024 là contre présence Netanyahu dans congrès ya. Israélien yo té dans la rue à tout. Et VOA té parlé ak youn, li té répond comme ça. Moi té mandé l pour qui ça n'a protesté contre PM nous? Yes. Il répond. He is not representing our values. He's parce qu'il n'est pas représenté nous. Il n'est pas représenté principe nous. Il n'est pas représenté ça nous croire. Il n'est pas représenté ça nous voulons. Nous voulons otage tourner joindre nous. Nous voulons bataille suspendre kounye a même. Nous voulons entente là. Nous voulons un état palestinien. Nous voulons la paix. Nous protestons contre lui. Nous voulons dire pour accepter entente là. Nous voulons ouais otage la caillou et nous ici là pour encourager lui faire ça. Moi te mande il ou gen famille ou parmi otage, lui répond oui, frère moi c'est un otage là-bas. Et puis, bon frère tout. Je te dis là, pas de gagner seulement une manifestation pour palestiniens, te gagner israéliens qui te dans l'autre bord pour protester contre guerre qui est dans Gaza parce qu'il a demandé Benjamin Netanyahu pour signer un deal côté que médiateur te chita yo fait ensemble yo façon pour gagner un cessez-le-feu et puis libérer otage. Donc yo vinn là jodi a, c'était pour demander Benjamin Netanyahu pour
kembe dil la, libere tout otage, suspend avec guerre dans Gaza. Gien tout qui vini, c'est pas seulement pour ça, mais yo vini pour dire Netanyahu, il pas gien place encore dans tête gouvernement Israël là. Moi c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. Merci Gentil qui était dans mi-temps manifestant Sayo qui t'a dénoncé guerre Israël Hamas là et qui t'a voyé parole Pimambouk contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui se prend la parole là devant deux chambres congrès réunies et Fondi tout en absence c'est Kamala Harris qui est même et dans campagne pour expliquer eh ben pour chercher plutôt vote délégué pour le représenter parti démocrate là dans élection novembre 2024. Et puis pendant que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même là il t'a fait prendre la parole devant le congrès, eh ben guerre Israël Hamas là a continué et gain bilan que qui sorti dehors. Nous avons Jean-Aubert Philippe qui a suivi pour nous de très près et dossier ça. Donc Jean-Aubert Philippe parallèlement à discours Netanyahu et ben dans région Moyen-Orient puis précisément dans Gaza, et ben coup de zame continue à tirer. Effectivement Jacqueline, discours a pas calmé et conflit a qui gagne que Benjamin Netanyahu que premier ministre Benjamin Netanyahu qui était derrière et c'est comme ça non seulement quantité monde qui mouri sur dans territoire Gaza continue à augmenter mais tout gagne l'autre qui fait bouler cap fait tout entre Israël par exemple avec Hezbollah et puis tout gagne tout et l'autre groupe outillé qui est même basé dans Yémen et c'est là encore il même il y a protéger tête mais entre temps tout il dit que il a continué pour essayer d'attaquer Israël mais Israël connait une position que l'a mené attaque sur plusieurs fronts non seulement dans le territoire Gaza mais tout dans Yémen avec dans Liban. Quand il y a monde qui mourit dans attaque force israélienne lancée dans le territoire Gaza depuis octobre 2023 dépassé 39 000 d'après l'autorité de la santé dans le territoire Gaza. Force israélienne continue opération yo dans moment premier ministre israélien trouvé dans Washington côté il prend la parole devant Congrès et puis rencontrer candidat parti démocrate et parti républicain avant déroulement élection novembre. Dans le jour qui passe, l'armée israélienne a tué 23 personnes et blessé plus de 91 autres pour mettre la quantité de blessés dans presque 90 000 depuis que la guerre a été commencée en octobre 2023. Après militants Hamas ont attaqué quelques villages israéliens côté ont tué 1200 personnes et puis pris en otage plus de 200 Israéliens avec étrangers. Force défense israélienne a publié une déclaration lundi pour demander évacuation population qui vivent dans une série de zones allant tout Khan Younis. Brigade Al-Qassam, qui est branche armée militaire Hamasio, déclaré lundi que combattants ont frappé trois tanks avec un bulldozer l'armée israélienne dans la partie l'est Khan Younis. D'après le groupe militant, combattants ont été entrés dans une lot laissé frapper avec l'armée israélienne côté ont fait un pile blessé dans le camp soldat qui a cherché à détruire un tunnel groupe militant. Pendant ce temps, dans plusieurs villages éloignés avec la communauté tout près frontière Sud-Liban, soldats israéliens avec combattants Hezbollah ont passé plusieurs mois, yon a veillé l'autre. Depuis le commencement du groupe Hezbollah, mais mauvais moment tout, les ont frappé nous. C'est la même situation pendant tous 9 mois. Yo. Pendant le week-end passé, le groupe milicien Outizio, qui est basé dans Yémen et qui, même gens avec Hezbollah, qui support Iran, a lancé un appareil téléguidé dans Tel Aviv, côté Otouye, un monde dans une explosion. Un jour après l'attaque, les forces israéliennes répondent kif-kif à frappe sur position Outizio gagné dans Yémen. Jovert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc jeudi 24 juillet 2024 là, c'est deux grands événements majeurs qui a passé ici à Washington, notamment nous attendons de visiter premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait de dans Washington et côté que il était prendre la parole devant deux chambres congrès réunies et puis à soir après le gagner président Joe Biden qui pral prendre la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là en Aloua Sapibri. Président Joe Biden paraît pour le prendre la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là dans moment côté pifo famille américaine yo ap la kayo ça relé yon heure de pointe. Président démocrate là a metté discours ça devant peuple américain quelques jours après l'été annoncé décision li pour ira à l'école dans course là pour un deuxième mandat dans la Maison Blanche. Président Biden fait annonce là dimanche 21 juillet 2024 là pendant l'été dans kay vacances li dans Rio Beach dans Delaware côté l'été en quarantaine.
dans isolement parce que il était testé positif pour COVID-19. Full comprehensive medical report. Attaché de presse la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, t'es fait connaître que président t'es senti quelques symptômes et tout petit, il était continué à exercer fonction correctement. Dernière fois mon tekawé président Biden en public, c'était mercredi soir, là il était arrivé dans base aérienne américaine nan, dans Dover dans Delaware, après il était testé positif alors que l'étape menait campagne avant ça dans même joie dans Las Vegas. Docteur président Kevin O'Connor fait connaître que président finit avec 10e dose médicament anti-COVID Paxlovid et que lui continue exercer fonction lui comme ça doit. Docteur a précisé symptômes complètement disparaître, tension artérielle lui, rythme respiration avec température normale et poumon lui clair. Moins que yon mois avant convention parti démocrate là dans Chicago, État Illinois, président Joe Biden, 81 l'année, ra l'école comme candidat parti démocrate là pour élection présidentielle novembre, dans quelques semaines après yon mauvais performance dans un débat contre rival républicain Donald Trump. Mauvais performance ça a été déclenché appel public et privé parmi yo démocrates qui gagnent en pile influence pour retirer col dans course là parmi personnalité ça yo gagnent ancien président Barack Obama, ancien président chambre député Nancy Pelosi et yon paquet l'autre allié président Biden. En pile analyse prévoit nan adresse ça que le pral mette devant nation depuis la Maison Blanche, un président Biden pral endosser officiellement Kamala Harris pour représenter parti démocrate là dans élection présidentielle 5 novembre 2024 là. Et puis réaction continue à tomber après que président Joe Biden lui-même prend décision pour aller à l'école dans course présidentielle là, nous t'allé déjà dans New York, nous t'allé déjà dans l'autre côté gang et haïtien, mais qu'on y a nous pral dans Atlanta avec Yumi Janet qui parlait avec quelques haïtiens qui dans communauté qui peut-être dans Atlanta. Depuis le président Joe Biden annoncé retrait li dans course pour chaise bourre Maison Blanche là dimanche 21 juillet qui s'est passé là. Nouvelle ça a pas suspend provoquer en pile réaction dans la communauté haïtienne dans la diaspora. Quelques citoyens t'ont opiné sur comment yo wè avenir immigrant yo après nouvelle ça. Je pense pas gain qu'à sauter, pas besoin gain qu'à sauter parce que yon programme n'a pas dire que c'est seul Biden qui t'a fait programme non. Marché une fois que Biden sorti, n'importe mon qui pas capable continuer. Mais yon moun pa besoin faire aucun kè sote et même que Donald Trump ta élu comme président, programme ka toujours continuer. Donc retrait président Biden nan prochaine présidentielle américaine ou pa gen gros impact en zandra sou nou comme immigré et surtout sou moun ki bénéficie du programme Biden nan. Nous sommes capables de nous recevoir une nouvelle ça. C'est un coup, son blanc qui t'a bouilli et vous vivez dans le fret là-dedans. Ça a été stoppé. Ça a été en termes d'avenir. Donc, quand il doute, donc, soit avenir. Disons, pas de nécessité pour ça. Parce que le programme, non, son programme qui est approuvé par le président Biden, qui toujours continue à travailler, à marcher. C'est vrai, gagner suspension, gagner petit murmure, gagner comme si gagner pas l'empile. Mais réalité a c'est que programme nan li pas campé. Informe-nous bien, l'hypothèse non président Biden, mais c'est pas un programme que c'est président Biden qui décide seulement pour fait. M'a dit au tête frette, pas gien le pire qui pral passer. Bon, situation a toujours été même gens et si toutefois que résultat élection en ta vini dans l'autre bois parce que m'a bon menti, nous tout qui là comme secrétaire Omlet dans dit on comprend dit comme ça qui il y a environ 300 000 monde et qui là 300 000 monde ça tout temps mais que c'est dame qui passé c'est le passé Yumi Janit pour VOA Creole Atlanta. Merci Yumi, restez branché actualité à dans pays d'Haïti dans un petit moment.
Merci d'être toujours été branché lorsque nous avons présenté au Rendez-vous Info, un programme d'actualité qui passait sorti lundi pour arriver vendredi sous VOA Creole. Actualité dans le pays d'Haïti, chef gouvernement et Dr. Kony et Gary Kony ont rencontré diverses entités dans la société haïtienne dans l'idée pour consolider l'action qui visait l'état d'urgence sécurité qui décrétait sous 14 communes dans deux départements, l'Ouest et la Tibonite. Yves Manuel. Premier ministre Gary Kony réunit mardi 23 juillet 2024 là dans résidence officielle là avec responsable police nationale d'Haïti, force l'armée d'Haïti avec l'autre personnalité dans gouvernement pour discuter de état urgence sécurité hein, qui décrété et sous situation sécurité dans le pays d'Haïti. Réunion ça gain pour objectif consolider action gouvernement qui visait renforcer état urgence sécurité hein, qui décrété sous 14 communes dans département l'Ouest avec la Tibonite. C'est des occasions pour locataires primatiens et équipes articuler synergie qui nécessaire pour faire face à crise sociale, sécurité et humanitaire actuelle qu'a plongé pays en l'immobiliser même gouvernement pour appuyer initiative ça qui visait instaurer la paix dans pays d'Haïti. Docteur Gary Kony estimé priorité actuelle gouvernement c'est résoudre crise sécurité hein. Il compte sur implication même population hein, avec tout secteur dans vie nationale là pour capable river finir tout bon vrai avec violence armée qui a ravagé pays hein. N'a souligné pendant journée mardi hein, Franz Termilus c'est nouvel inspecteur général en chef police nationale d'Haïti hein, qui installé commandant en chef police nationale là fait qu'on est nomination ça visé souffler un souffle nouveau dans institution il insister sur nécessité pour un leadership qui conforme à exigence moment pour une police qui sain et qui respecte la loi et éthique. Franz Termilus bon côté parle prend engagement pour appliquer sanctions selon la loi et promet pour accompagner personnel PNH là dans mission il souhaite renforcer intégrité et efficacité institution. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves, n'apprête toujours dans Port-au-Prince côté plateforme politique réveil national, principale structure opposition dans le pays d'Haïti, mandé pouvoir en place là chercher bloquer van côté zam ak munition yo absorti pour résoudre problème insécurité. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince là, capitale pays d'Haïti. Porte-parole plateforme politique Réveil National, pasteur Théodore William, qui c'est tout conseiller parti politique solution, quoi, même si à travers état d'urgence sécuritaire, la police, l'armée d'Haïti, en soutien à mission multinationale, t'a mené des opérations dans fief bandio, ça pas résoudre problème insécurité, si gouvernement pas chercher bloquer van côté zam ak munition yo, ap soti ya. Jou yo bloke sous côté zam yo ap soti ya. Les sam ap konnen yo commence à attaquer insécurité. Jou yo bloke côté munition yo ap soti ya. Les sam ap konnen yo attaquer insécurité. Et immédiatement l'état commence à montrer autorité. Zam pa ka rentre encore. Di m pran contrôle la yo po. M pran contrôle po yo. M pran contrôle douane. Et l'état commence à montrer ses autorités. Et immédiatement li campé comme ça, ti monsieur Kamba yo ap obligé ranger ko yo. Parce que les ayab dit que Zambab ka vin joine yo encore, munition wap ka vin joine yo encore, yo wap ka goum kampe goum mais contre l'état, les ayab l'état yab dit l'état eh bien qui sauve les nous fait. Mais immédiatement c'est yo même wal joine avant Zambab toujours vini. C'est pas longtemps non là youn nan chef de gang très puissant dans capitale là. Li sont tap exhibé quantité zam li fait gagner. Côté yo sorti, qui souci yo? Pour que ça l'état pas prend contrôle douane. Les messieurs ça fait zam. On pense que c'est là nous voulons parler. Bon côté parle Fito la fleur respectivement président et vice-président parti politique solution et Réveil National souhaitaient pouvoir reprendre contrôle territoire perdu et résoudre problème gangoua dans le pays d'Haïti. Peuple haïtien c'est au jour le jour où vivre si on pas sorti on pas ka manger on pas ka boire c'est pour nèg ta bon plan qui propre qui ka retirer yo dans ça pour mettre pays en confiance pays bagay. Deuxième bagaille, c'est pour monsieur ta gon plan avec agriculture pour que nèg ta fait manger cap bon dans 3 mois, dans 4 mois pour que yo bay peuple la manger pour manger à arrêter sous vente étrangère, les ou joine les ou pas joine pas gain l'argent pour que peuple la ka manger parce que deuxième problème peuple la gain son problème manger. Un problème sécurité, deuxième problème c'est problème manger ou pas ka manger. Pendant ce temps, peuple haïtien d'après ça ou dit attend résultat état d'urgence sécuritaire que gouvernement en place l'a décrété dans environ deux départements à 14 communes en d'un pays
pour capable mettre bandi yo hors d'état de nuire. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et nous remercions tous tes amis, téléspectateurs, eux même qui branchés dans moment ça sur plateforme nous, notamment sur VOA Creole, sur Facebook et puis sur toutes les plateformes que nous gagnons. Nous pour aller n'a prêté toujours dans Port-au-Prince dans pays d'Haïti, un responsable parti politique qui proche ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe annoncé un levé campé contre pouvoir en place là. Massado Vilmé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Pendant le gouvernement Gary Conille a multiplié les efforts dans le cadre de l'application accord 3 avril 2024, là, ancien responsable brigade sécurité air protégé BESAP, Jean-Tel Joseph, qui dressait un bilan négatif à l'égard autorité, a annoncé un levé campé contre pouvoir en place. Là. Près de 4 mois d'échec, 4 mois spectacle de la honte, 4 mois en rien pour le peuple, là, tout pour nous. Ils ont fermé secrétaire d'État à la sécurité publique. Yo ferme porte ministère de l'intérieur. Bilan yo c'est zéro. C'est pour raison ça. Vin annoncer population jeudi 8 août nous a gagné yon journée de levée campé général. De l'autre côté, Association Nationale Syndicat Transporteur Visionnaire Haïti ANSTVH ak syndicat Association Taxi Moto Haïti yo SATMO qui s'allie au processus mise en place conseil électoral provisoire fait choix citoyen Rodolphe Pierre pour représenter secteur transport dans KIPA. Moi-même dans le secteur transport son bail qui est extrêmement difficile pour nous et surtout dans l'ouest côté que nous gagnons presque 7 communes côté que transport vraiment paralysé. Mais nous arrangeons nous en gens parce que nous quittons nous pour compte nous presque pas gagner l'état pour aider nous, mais nous-mêmes nous arrangeons nous avec conjoncture pour nous malgré que nous travaillons et parce que c'est ce que nous habitués fait et ça fait que nous obligés à garder ou bien proposer ou bien encourager et élection pour le fait là d'en participer et faire choix. Nous probablement qu'à faire une bonne élection pour nous, pour demain si Dieu veut nous passer problème élection ça, problème insécurité ça, pas possible encore. Citoyen Rodolphe Pierre, c'est un syndicaliste. Il est un ancien conseiller électoral. Compétence li et dévouement li, renforcer conviction nous, dans nous commander li devant CPTA et gouvernement PM Koni là. Nous lui dit au groupe civil armé qui a évolué dans la commune Gressier bloqué depuis plusieurs jours. Route nationale numéro DA qui connecte la région métropolitaine Port-au-Prince à 4 départements dans le grand site pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole. Merci Massiado Vilmé. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Nous avons rappelé que 2024 là sont année électorale ici aux États-Unis et nous sommes gagnés. Et convention parti républicain qui choisit et deux moun qui pral sous ticket c'est pour d'abord ancien président Donald Trump avec vice-président qui c'est un candidat à la vice-présidence n'a parlé de JD Vance et puis pral gagner convention nationale parti démocrate là lui-même qui fixait ce type 19 pour 22 dans ville Chicago dans état Illinois et nous connaissons depuis et dimanche là, il y a un président Joe Biden qui a abandonné course là donc c'est Kamala Harris qui a connu là cap chercher et lui-même et aval délégué pour la représenter Patia dans le 5 novembre et puis et n'a pas rappelé que Jodia vice-président la Kamala Harris qui pat kala dans congrès à Jodia et ben il était dans Indianapolis côté que il t'a rencontré avec un groupe que relé c'est un groupe sororité qui c'est un groupe mesdames qui Antonio c'est des qui historiquement noir yo relé aux états fi beta et il y mandé yo pour yo al korel nan élection c'était un moment tout côté que eh ben li choté sous ancien président ou bien rival éventuel rival li, en parlant de Donald Trump donc tous les deux partis yo a mené campagne pour arriver nan yon ligne droite yon moment très important nan cadre année électorale ça et côté que eh ben yo pral Kokikon. Aswaya a gen un programme spécial sous VOA Creole à partir de
8h30 et c'est côté que président Joe Biden en pile qui est content en dans commune Cité Soleil. C'est pas qui passe même. C'est pas manifestation qui gagne. C'est pas Brésil qui fait victoire ou bien Argentine qui remporte Copa América. Mais c'est la paix ensemble groupe gang yo décide faire pour que yo capable bail population Cité Soleil là yo souffre. Et population qui très content par rapport ensemble avec la paix ça, yon te obligé quitter quartier pa yo pour que yo te capable aller dans yon l'autre quartier. Gen en pile moun qui choisit quitter Belécou pour aller dans Boston. Kon sa tout gen moun qui quitter Boston pour aller dans Brooklyn. Pom di nou que la paix ça la cause plusieurs pour mourir. Même chef gang mourir parce que jodi an la gagné Iskar, nous connaissons qui c'est un puissant chef de gang qui t'a gagné en dans Belécou dans Cité Soleil. Malheureusement, Iskar est tombé et Iskar tout rêve lui c'est pour te ouais toute Cité Soleil unie vers un seul objectif pour gagner gros la paix en dans Cité Soleil. Malheureusement, Iskar pas vivre paix ça. Gen en pile moun jodi an la qui perdu kayo à cause de conflit qui gagné entre plusieurs groupes de gang en dans Cité Soleil. Kon sa tout gen en pile moun c'est kokobe yo kokobe par rapport ensemble avec zam qui t'a chanté yo prend balle et bien balle la cause que yo kokobe. Comme dit nous que eh bien te gagné guerre en dans Cité Soleil entre trois zones. Gagné te gagné entre Brooklyn cap dirigé par yon certain Mathias, gagné tout te gagné tout entre Iskar qui lui-même qui t'a dirigé Belécou, jounè jodi an c'est Benji cap dirigé et bien Belécou et Gabriel qui lui-même nan Boston. Pom di que c'est Boston et c'est vraiment vrai zone qui rele Brooklyn nan. Et bien c'est moun sa ou qui te plus victime par rapport ensemble avec conflit qui te gagné en dans Cité Soleil, par rapport ensemble avec eh bien coup de balle qui t'a chanté en dans Cité Soleil. Fòm di nou que gen sa qui te gagné en dans Cité Soleil là, te la cause eh bien glo coupé. Moun en dans Brooklyn pas capable joindre l'eau. Gagné tout courant qui te coupé parce que courant li sorti en les Boston pour le river pour le descendre. Eh bien, par rapport ensemble avec Pessa, la guerre te gagné, eh bien, monsieur, te décidé pour que te coupé plusieurs câbles électriques qui mènent courant en dans Brooklyn, qui fait que moun Brooklyn pas capable de gagner ni courant, ni de l'eau pour que te boue. Pas me dire nous coup de balle qui t'a chanté autour en dans quartier Cité Soleil, te la cause, gagner plusieurs murs qui te monté. Qui donc, zone sa yo, yo te considéré yo comme des vars. Vars là, c'est pour empêcher, pour éviter ennemi capable de quitter la Kali pour attaquer l'autre zone rivale, l'autre quartier rivale. C'est pas deux coups de balle qui te kon gagné en dans Cité Soleil, mais jeudi, mercredi 24 juillet 2024 là, eh bien, moun Cité Soleil levé avec yon kè content, moun Cité Soleil levé en fête. Par rapport ensemble avec la paix qui gagne en dans Cité Soleil. Gagne Jimmy Cherizier aka Barbecue, monsieur ça qui c'est porte-parole en même temps président Vivre Ensemble, il était profité pour le descendre en dans Cité 1 pour que il était capable voyer un message clair by oligarque. Selon Jimmy Cherizier aka Barbecue, et mais c'est oligarque yo qui te kon mette et mes zam nan men moun en dans Cité Soleil, jeune garçon en dans Cité Soleil pour que yo capable goumen yon kont l'autre nan intérêt et bien oligarque yo. Fòm di que Jimmy Cherizier li te descend en dans Cité 1 pour que li te capable célébrer ensemble avec moun Cité Soleil. Elle te tout profite occasion pour te féliciter Mathias Benji ensemble avec yon moun te kouti Gabriel
qui ont même décidé peut-être ensemble pour que la paix capable de régner en dans ce soleil. Bon, évitez nous suivre, porte-parole, vivre ensemble, nan, Jimmy Cherizier, a.k.a. Barbecue, qui lui-même t'a parlé de personnage de aujourd'hui, monde célébré capable de bénéficier. Et nous avons un gros bonjour, gros bonsoir à chacun qui va regarder la vidéo. Nous avons salué les peuples haïtiens en général. Je tiens à nous exactement dans la cité Soleil, côté que Soleil a choisi de faire la paix avec tête. Et mafia économique et mafia politique qui étaient toujours mes gangs dans la cité Soleil, je dis à mon cité Soleil choisi de casser la barrière de la guerre. Côté que la paix, ça, c'est la paix qui est durable, c'est la paix qui est là pour tout le temps. Pour les âmes suspendues dans la cité Soleil, pour les gens cité Soleil suspendent mourir. Et moi-même, c'est juste un conseiller. Vrai travail là, c'est Mathias, Benji, Gabriel qui fait. Et que nous décidons de faire toutes les âmes bébés dans la cité Soleil. Et que pour nous gourmer contre l'État corrompu, ça. Oui, je nous garder pour nous dans quelles conditions. Et que la cité Soleil était. Te... Ok? Regardez comment nous allons vivre. Ils ont toujours pris un prétexte et que c'est parce que. Ils ont toujours pris un prétexte et que c'est parce que les bandits qui ont pu entre eux, c'est quand qui t'a empêché d'entrer sur le soleil. Je tiens à nous casser barrière ça. Et puis nous allons regarder qui ça l'état fait et puis nous continuer de ça. Maintenant, qui position nous avons fait. Ok? Nous continuons de faire sur le soleil jusqu'à ce que nous prenions l'état par responsabilité. Nous continuons de faire pour l'autre cité soleil. Nous allons aller déjà. Benji, Mathias, Gabriel, pour celle cité soleil. Et puis nous pouvons mettre l'état pour bien. Qu'est-ce qu'on va le casser, qu'est-ce qu'on va le sauter. Parce qu'on va jamais voulu nous mettre tête ensemble. Nous avons toujours les monde qui semblent nous mourir. Je dis à nous allons aller déjà pour celle cité soleil. Yo seule cité soleil pour tout yon pays. Et bien, forme dit que dans la déclaration ça. Jimmy Cherizier voye un pile message piment bouc. Li di yo pas vle la paix parce que yo konnen ki sa capable déclencher contre yo. Journée jodi an, si de soleil li nan la paix, eh bien en retan ki sa ki pral rive. Et Jimmy Cherizier et que barbecue, li même aller plus loin pour di que moun nan l'état ou te kon toujours prend prétexte, c'est parce que gen coup de balle k'ap chante en dans cité an. C'est parce que gagné et conflit en dans cité qui fait journée jodi an cité soleil sale tant pou petit dan jodi an gen la paix et bien li pral wè est-ce que pap gagné nettoyage qui fait en dans cité an et bien qui est qui la cause fait ça journée jodi an que moun yo capable célébrer moun ap sorti an dans Brooklyn et bien pour aller dans Belécou. Et moun kap sorti Belécou, monte Boston, gen même moun ki sorti en dans si Montpellier, nan fief Djouma, et bien pour ki yo kapab rentre en dans cité an, parce que jodi an forme dit que Djouma c'est allié barbecue, et barbecue c'était allié yon moun takou a Mathias, yon moun takou Iskar, malheureusement qui parle encore, mais barbecue c'est allié Benji. Benji c'est petit garçon, Jimmy Cherizier barbecue, tellement et bien barbecue remè Benji et Benji remè Jimmy Cherizier alias barbecue en pile moun nan Simon Pelé pas capable passer en dans Boston parce que si Gabriel et ses ennemis et bien Djouma que l'était journée jodi a gagné en pile moun Simon Pelé qui rentrait dans Boston comprendre nèg qui jeune jan tout profiter tout. Si ménage que vous avez gagné, vous n'êtes pas capable de boire, vous êtes connu en cachette, vous avez tout profité pour que vous êtes capable d'aller. Si ménage ça. Femme dit, d'après information qui vient joindre moi, c'est chef gang Boston. Si Gabriel, qui lui-même la cause, Persa, gagné en dans Cité Soleil. Je dis, si mon Cité Soleil cap célébré, c'est grâce à Gabriel. Si Gabriel, Lichita, lire les monsieur, li dit monsieur, jodi an, on prend conscience. Nous nan même zone. Nous pas ka tirer sur l'autre pour dégager nous pour que nous capables faire la paix. Mais faut me dire nous que c'est yon la paix que Jimmy Cherizier et que barbecue tap tenté pour te capable mettre depuis plusieurs années en densité an. Malheureusement, la paix ça li pas capable joindre. Kounya la, par rapport avec la paix ça, est-ce que kounya la vivre ensemble va joindre yon gros force qui c'est si Gabriel? Parce que si Gabriel
toute invitation dit Michel Rizier te kon toujours appel l'autre monsieur te kon relèl et Meti Gabriel te kon toujours dit monsieur c'est traite nous yé plutôt moins bon côté peuple là au lieu que mal bon côté nous c'est une raison qui fait que les gen G9 en famille et alliés manyen yon manyen tout les 9 chefs gang te décidé mettre tête ensemble et Meti Gabriel li te décidé pour la mettre GPEP. Et il te joint plusieurs autres soldats qui te rejoignent au niveau de GPEP. Parmi eux, te gagné 400 marozo. Et bien là, on arrive en dans cité soleil, on tourne en dans cité soleil. Journée aujourd'hui, est-ce que la paix ça, il pas pour symboliser une force pour structure ça qui relève vivre ensemble? Oui, parce que Jimmy Cherizier, moi toujours dit nous, comme une véritable stratège, Jimmy Cherizier gon l'été mettre à genoux si c'est à genoux pour le mettre dans pied Gabriel pour Gabriel joignio dans mouvement y a fait qui relève vivre ensemble là prêt pour le mettre à genoux dans pied si Gabriel pour si Gabriel t'es capable rejoindre lui dans mouvement Gabriel c'est une chef qui compte bataille qui a en pile stratégie et qui croit dans soldat li. Le fait que j'ai la paix en dans cité soleil, libre dit ça le dire. Jimmy Cherizier voyez un message clair by groupe oligarque pour dire attention. Nous te diviser cité soleil, jodi là cité soleil uni, gen gros union en dans cité soleil, pas de division encore, nous mettons ça qui pas arriver. Ça qui pas arriver hein, c'est qui ça? En tout cas, li rete pou tann information c'est que gagné la paix qui fait entre plusieurs zones dans cité soleil côté youn nan yo tap tire coup de balle et bien face à face journée jodi an moun Brooklyn moun nan Boston et sans oublier moun Belekou yo mette tête yo ensemble sans pas oublier moun Simon Pelé yo mette tête yo ensemble yo fait la paix li rete pou tann pour combien de temps la paix ça lui même lié. Est-ce que c'est pral yon paix qui pral durer en pile temps ou bien est-ce que c'est pral yon la paix? En tout cas, li important pour que nous capables suivre évolution dossier si là. Pendant qu'on parle de la paix, pomme dit que jodi an la gagné en pile coup de zam kap chanter dans l'autre quartier. Est-ce que nous pral rentrer dans une situation côté que même la paix qui t'est faite en dans ce soleil là li pral oblige fait en dans Waf Jérémy et en dans eh bien la Saline. Monsieur la regarde sur écran là, li rele Wa Mikano. C'est un monsieur qui croit en pile dans question mystique li. D'ailleurs, monsieur ça, c'est un grand que lié. Li fait en pile cérémonie et d'après information, Wa Mikano chargé femme. Oui, sous pas comme ça, ou abika non chargé femme, et toute maman petite li yo a vivre dans un seul kay ensemble avec lui. Et l'autre monsieur nous sautoué en là, li rele Bout Jean-Jean. Bout Jean-Jean, eh bien, c'est monsieur sa kap dirige la Saline. Et Bout Jean-Jean, li te dans prison, et heureusement pour lui, prison écrasé, et Bout Jean-Jean, li sorti en dans prison. Pomme dit nous que, et pas deux coups de balle, qui pa gagné dans quartier la Saline ak, mais monsieur rele Bout Jean-Jean monsieur ça va regarder ensemble avec Mao Noir c'est lui même qui rele Bout Jean-Jean c'est lui même qui a dirigé quartier la Saline et l'autre monsieur nous pral regarder là c'est lui même qui rele Mikano alias Wa Mikano j'aime ça dit tout à l'heure Mikano c'est un ougan que lié dans l'autre photo qui a passé nous capable voir que li maré on bagaille nan point li et bien son bagay mystique que lié c'est bon bagay comme ça lié son bagay mystique en bi moun te capable dire c'est point c'est garde li en tout cas comme pas dans le maintenant et c'est nous même qui capable dire bagay qui nan point li qui ça li vle di et qui ça pour qui ça li metel j'aime t'ap di nous c'est pas deux soldats qui pas tombé dans tous les deux camps mais Bout Jean-Jean li perdu plus soldats dans bataille ça qui existait dans bataille ça qui gagnait entre la Saline et Waf Jérémy kounya là qui ça Mikano fait j'aime te di nous Mikano c'est un ougan que monsieur ça y est
comme Mougan, Mikano, li fait des grilles, li prend balio, li monte balio. Il est difficile pour Negwab Jérémy tirer sous soldat qui sorti la saline pour que yo touché pour yo pas mourir. Parce que Mikano li monte balio et li bay soldat yo bal pour que yo capable pété bal sous tout moun la saline. Et forme dit nous, c'est pas deux soldats qui pas tombé au niveau de la saline. Et jodi an la, Jimmy Cherizier aka Barbecue, li nan gros réflexion, li nan gros pensée pour le ki jan li capable, eh bien, uni monsieur yo pour le ki jan li capable mettre la paix dans mitan de monsieur yo. Parce que jodi an la, Jimmy Cherizier gen un seul verbe la conjugué, verbe sa par l'autre que dialoguer. Et Jimmy Cherizier li dit li croit dans dialogue. Jodi an la, c'est moment pour que gouvernement en place capable dialoguer ensemble avec vivre ensemble. Pour dialogue ça capable possible, faut que yo déposer zam, faut que toute zam bébé. Pendant que premier ministre te dit que eh bien faut que toute zam déposer et faut que monsieur reconnaître autorité l'état, mais jodi an Jimmy Cherizier a essayé ouais qui gens capable faire toute zam bébé pour empêcher eh bien moun continuer mourir dans deux quartiers ça yo. Parce que les batailles là, comment monsieur bataille, c'est pas bataille man paraît là nous sur un terrain neutre n'a tiré coup de balle, mais non, li pas comme ça. S'il était comme ça, c'est pas deux soldats qui pas mourir. Qui j'ai monsieur bataille là, c'est pendant que moi dans quartier ou tande l'autre quartier li envahi quartier. Exemple, monsieur Boudjanjan yo ka quitté la saline, yo veye, yo font pote bourré sous moun wav Jérémy. Et sont tande yon nan kat attaque sa, yo ka boule kay, yo ka tue plusieurs moun, et gen soldat tout ka tombe nan moment attaque la. C'est comme ça, monsieur, même yo fait attaque. Même jan tout wav Jérémy kapap profite, pendant que soldat Boudjanjan yo abdomi nan la saline, et puis ils font pour te bourrer sur yo, li boule kay, li tuer plusieurs moun. Mais j'aime dire noir, gè ki gen la actuellement là entre Boudjanjan ak Mikano, nouvelle pas fin trop douce pour Boudjanjan parce que Boudjanjan perdu plusieurs soldats. Et wa Mikano qui c'est chef wa Jérémie, monsieur monté en pile cartouche, monsieur monté balle, monsieur monté zam li yo, depuis que soldat et eh bien Boudjanjan yo prend balle, depuis yo touché seulement yo mouri. Et je dis à la jambe, je dis à Jimmy Cherizier, après qui Jean, li capable mettre deux équipes sa ou chita pour le capable mettre, pour le capable faire un faux dialogue pour que monsieur ou même capable camper ensemble avec Guerlain parce que y a trois soldats qui mourent et monsieur a besoin de soldats pour que yo capable bataille. Nous allons parler de monsieur ça. Monsieur ça, il est Rosemont Jean. Rosemont Jean, c'est responsable Fronod. Eh bien, c'est une structure politique. Eh bien, Rosemont Jean, li pas mette de l'eau dans la bouche li pour que li capable savonner leader petit de Saline dans Moïse Jean-Charles. D'après Rosemont Jean, Moïse Jean-Charles, c'est un abolotio politique. D'après Rosemont Jean, Moïse Jean-Charles, c'est un monde qui prend comme imbattable pour le capable gérer la question politique li. Et laisse ça la beaucoup de couteau dans dos. Et Rosemont Jean allait plus loin pour dire que Moïse Jean-Charles, c'est mon jodi là, ou fin parlons pas avec jodi là, li d'accord, et puis demain, si je veux, li changer. Et Rosemont Jean même allait plus loin pour dire, yon moun ta pour Moïse Jean-Charles, achete yon kay $700,000. D'ailleurs, Moïse Jean-Charles, c'est voisin. Si nous kouèm menti, bon, invite nous tende, Rosemont Jean, cap salambe, cap fini ensemble avec Moïse Jean-Charles. Madame Moïse a dit militant, parti politique, lui, il n'y a pas de pouvoir. Dans Belleville, bon, la kaye, Moïse fait cash to kaye pour $700,000 américains payé cash. Alors que Moïse Jean-Charles, pas pleuvé lui, parle dans la radio, pas baye kop, et pas vrai. Il y a moun tende ou dit, si on est à parler dans la radio, ou elle a bien kop, la bache ceci, il n'y a pas de business là, cap rentre l'argent. Et puis lui, dou, c'est parce qu'elle a parlé, il a voyé comme Bali, bon côté le aller, bon côté la mener nous. Ils ont pour moun n'a travail parce que gon moun qui finance. Parce que parler pas baïkop, c'est pas vrai. Afin nèg la dou depuis nèg la leader que comme c'est pas vrai.
c'est soit l'idée de la corruption, l'après l'argent cachette, d'ailleurs, j'ai toujours dit ça, malgré Ariel Henry a retiré le ministre intérieur Moïse là, mais il a quitté Amos Zéphirin, et Amos Zéphirin, c'est lui qui a financé Moïse pour l'argent dans le ministre intérieur pour voir Moïse chaque fois Moïse besoin l'argent. Mais pourtant, il a goûté contre même pouvoir ça. Ça veut dire, je dis, si nous ne pas démasquer délinquants, délinquants politiques, si nous ne pas démasquer voyous, regardez, ensemble de projets, Jovenel t'a entrepris dans le Grand Nord. Après Moïse abandonné tout, Moïse pas jamais parler de ça. Alors que Moïse, dans le premier mandat Jovenel, premier trois mois Jovenel, Moïse constaté, Jovenel fait 17 fautes. Comme si je dis, dans moins de trois mois, où tu constaté Jovenel Moïse te fait 17 fautes, Moïse. Je dis, dans quatre mois, où on a un gouvernement, où vend ministère de l'agriculture a un gang pour 3 millions de dollars. Ou vendre marché, droit de nos. Ça y est, comment dirais-je, Zanguia, ou venir à la mafia au détriment malheureux et malheureuse qui est organisation, fédération Zanguio, ou vendre marché. Ou acheter caille, ou faire bien. Mais, ou pas dire rien, je dis à pas de faute. Alors que, on est un gouvernement, un, qui catégorise trois bagages, la corruption, la prostitution. Moïse Jean-Charles, 10 partisans lio, puis gars au goumé pour pouvoir. Parce que le gouvernement qui n'a pas gouvernement. Moïse qui n'a pas gouvernement. Moïse, ma brède encore, qui l'est ou même ou a des gouvernements pour militants. Parce que le parti politique pour pouvoir Moïse. Il prend pouvoir pour ensemble de cadres et militants qui ont bataille, qui ont vision, ensemble pour mener le pays. Est-ce que nous entendez bien qui ça yon moun tan kou Rosemont Jean dit Moïse Jean-Charles? Moïse Jean-Charles en dans gouvernement d'après Rosemont Jean. Et pomme dit nous que récemment Moïse Jean-Charles te fon sorti pour dit partisan yo li pas dans gouvernement pour yo pas prendre pièce poste en dans gouvernement. D'après Rosemont Jean, Moïse Jean-Charles li nan mentor. Gouvernement ça, c'est gouvernement Moïse Jean-Charles que lié. Et Moïse Jean-Charles, c'est pas deux raquettes qui pas fait en dans gouvernement ça. D'après Rosemont Jean, Moïse Jean-Charles, li vend ministère l'agriculture ensemble avec yon chef gang. Si m'a répété parole, Rosemont Jean. Et Rosemont Jean allait plus loin pour le dire question zangui Moïse Jean-Charles te kon parle. Eh bien, c'est à faire pas lié, c'est pour le capable faire commerce, c'est pour le capable régler mouvement raquettel. Qui fait que l'ité rentre dans la question comme Zangui. On continue tande, eh bien, yon moun takou Moï, yon moun takou Rosemont Jean, qui lui-même ka fini ensemble avec l'idée petit de Staline, Moïse Jean-Charles, selon lui-même, qui sont à Bolotcho politique. Ou bien deux ministères nan men, ou bien ministère environnement, ou bien ministère agriculture nan men, et pour dire militant tabou avant yo, ou pas nan pouvoir Moïse, qui le wap nan pouvoir Moïse. Ou mettez Nego Kapla, comment dirais-je, dans le conseil créé. Vertile. C'est où mettez Vertile. Et Moïse, si pas de gagner, si vous pas de bolotcho, si vous pas de traite, si vous pas de vacabon, vous voyez, je dis à pays, tap côté sous, pays à patap là, pays à patap sous côté conseil créé. Si vous pas de la bénédiction à Kaïkom, il tape dans l'impossibilité. Pour te gagner un gouvernement sept têtes en Nabiya. Il n'y a pas de café ça où? Parce que là où nous-mêmes, nous devons nous constituer une force, nous avons une alternative. Ou craser l'alternative là. Pour aller dire Caïcom content. Pour aller dire la France content. Pour aller dire États-Unis content. Ou sont esclaves déguisés. Ou sont esclaves qui tenaient des champs et puis on met dans un salon. Le fait qu'on pas habitué au salon, on m'a déchaîné. Je dis nous, messieurs, dames, pendant que vous avez des militants, des partis politiques, vous n'avez pas de pouvoir. Dans la belle ville, vous avez fait cash pour 700 000 dollars américains payés cash. Alors que Moïse, Jean-Charles, pas de vélo, parlez dans la radio, papa, et cop, et pas vrai. Les gars, vous entendez, vous dites, si vous avez parlé dans la radio, ou elle a fait cop, la bâche est ceci, il n'y a pas de business là, vous avez rentré l'argent. Et puis, les doux, c'est parce qu'elle a parlé, il a voyé comme Bali. Gon kote pou ale, gon kote la mene nou. Il gon pou moun nan travay. Parce que gon moun ki finance. Parce que parler pa bay kòp, c'est pas vrai.
Afin nèg la dou depuis nèg la leader qui comme c'est pas vrai. C'est soit leader dans la corruption, la prend l'argent cachette, d'ailleurs de toujours dit ça. Malgré Ariel Henry te retiré ministre intérieur Moïse là, mais il t'a quitté Amos Zéphirin et Amos Zéphirin, c'est lui qui t'a financé Moïse prend l'argent dans ministre intérieur pour voir Moïse chaque fois Moïse besoin l'argent. Est-ce que nous tendez ça que Rosemont Jean dit là? Yon moun tankou Moïse Jean-Charles, li pa fè an rien nan vil. Li konnen l kom yon ancien parlementaire. Li konnen l kom yon moun ka palan pil nan radio. Li di palan pil nan radio pa bay kob. Ki kote Moïse Jean-Charles jwenn tout kob sa pou l menm rive achete yon kay $700,000 américain. Oui, bon dollar, pied poireau. Li a le pil loin pou l di ke eh bien, moi Jean-Charles était dans le gouvernement Ariel Henry par rapport ensemble avec eh bien Amos Zéphirin. Kounya là, est-ce que yon moun tan pou moi Jean-Charles li pral pote réponse, li pral répondre Rosemont Jean. Fòm di nou Rosemont Jean, c'est pas seulement moi Jean-Charles non le parle. M'pa jam pense que si an dan CPTA te genye crey, te genye nèg ki a profité pour que yo capable pouvoir qui nan meyo pour yo profiter mouté ti mesdames yo pour que yo capable jouer nan ti devant et bien nan devant ti mesdames yo. Oui, ça la me dit c'est vrai d'après yon moun tan pou Rosemont Jean et bien gagne moun an dan conseil présidentiel là qui profite à chaque fois que yon jeune femme mande au job c'est ti bout en bas jeune femme ça yo mandé pour que yo capable profiter de ti bout en bas jeune femme ça et Rosemont Jean aller plus loin pour le dire grande demoiselle qui mandé yon membre dans conseil CPT yon travail pour la gueule dans ONA et bien membre ça qui c'est un docteur lui dit demoiselle là et bien vin ensemble avec CV les demoiselles là vin ensemble avec CV bien mon conseil en dit non faut qu'accoucher pour examiner CV bon si nous quoi menti m'a invité nous tande en attendé et bien Rosemont Jean cap parler de conseiller Malachong ça de conseiller ça qui remet culotte et bien en dans CPT monsieur ce mouvement créé a réglé ce mouvement monter sous d'autres mesdames a réglé si toutefois ti mesdames ont besoin job et bien faut que ti mesdames capable vinde job dans 5 kilos entendez pour nous. Moïse pas dénoncé Gérald Gilles. Yon kadap fait des marches dans men pour mandel. On poste quel compétent qualifié. C'est pas vrai dit m'apprendre dans affaire nous parce que c'est faute dans le faute. Nous qu'on a faute à faute après sortir dans la. Gérald Gilles dit dame non. CV pour moi c'est plus mais pour moi. Mais CV Gérald Gilles mandé jeune femme cap docteur Gérald Gilles mandé jeune femme cap mandé le travail. Bon dame, calmement de Gérald Gilles pour faire des marches pour lui, pour mettre le nom au nom. Gérald Gilles dit pas de problème pour le CVA. Le CVA vini, il dit non, c'est sous dos pour moi. Mais CVA, avait dit, mais ça a fait à cadre nous, mais ça a fait à compétence nous. Ok? Il viole, il couche, il pas violé parce que. Mais nous comprenons, ça veut dire. Pendant. Gaïkon il dit la défendre la combattre la corruption. Ak moun mwen parle, m pa jam pou monter. Avant de parler de ce sous dossier ça m dal vérifier pou m te konn. Toi nan mam conseil créé yo. Il a fait pression sous directeur président BNCA à 100 millions goud. 100 millions goud. Bon. Je me connais dans le cas ça. Ça y est, LCC, puisque vous dites combattre la corruption, ça y est, LCC a dit à toi, même, conseil créé ça, qu'elle fait pression, qui mette bataille. Jusqu'à ce que vous oubliez si vous faute ensemble, en dehors de faute, vous n'avez pas eu de problème pour vous. Ça veut dire, je dis à faut que nous-mêmes nous disions. Qui ça? Ça veut dire. Ça veut dire 4 mois nèg yo pran. 1, nou pran 4 mois nan plime moun. 4 mois nan marché 20 poste. Chaque ministre, monsieur, et pa menti man ba nou. Chaque ministre qui fait partie que nèg yo désiré, conseil que la désiré prend engagement $50,000 américains.
que nous tendez qualité déclaration que Rosemont Jean fait? Bon, c'est que après déclaration ça, mini justice là t'a doué inviter Moïse yon moun tan pou Rosemont Jean pour venir ba explication. Parce que Rosemont Jean son moun qui toujours parler à preuve. Li dit que li toujours gen preuve, li pa parler comme ça de pou elle. La yon bay nan la rue on connaît que li gen des données sou li. D'après Rosemont Jean, chaque ministre qui fait partie de gouvernement bay 50 000 $ américains pour que yo capable joindre poste bon côté CPT. Son groupe mafia d'après Rosemont Jean, son groupe volé, son groupe corrompu, son groupe nèg qui nan corruption, son groupe corrompu qui donc ça li vraiment important et ministre justice là commissaire gouvernement pas supposé jouer dans question ça. On continue tendez Rosemont Jean prend engagement pour bail $50 000 à secteur choisi là mes pays a. Et c'est ça que fait nous toujours dit Haïti vient tourner un choix mouri et gon bon chien mouri cap goumen pour prendre plus gros morceau dans choix mouri yo fait pays à tourner un choix mouri et c'est pour ça nous même n'a continuer faire résistance n'a continuer dénoncer yo. Un, nous dit pas de résultat, pas de question conseil créé vrai côté Kenya a une bonne sécurité. Deux, pas de bataille contre la corruption. Gouvernement et conseil créé là symboliser la corruption totale et la prostitution, ce sont des procédures politiques que nous avons toujours dénoncé, que nous parlons de quoi. Et troisièmement, nous demandons à ce que nous jouions une libération arabe. Nous finissons là pour nous dire, toute diaspora qui a gardé là, qui a gagné Alien 4, qui a nationalité américaine, toute diaspora qui a famille, amis, camarades, qui a bataille, nous gagnons le 26 juillet. Vendredi 26 juillet 2024, nous avons un rassemblement côté organisation ça, Haïti Diaspora réunie à organiser devant Maison Blanche. Nous demandons à tous les compatriotes qui nous supportent moralement, qui rejoignent nous, qui ont ce combat à mener. Nous demandons nous tous pour nous porter coller avec l'organisation Haïti Diaspora réuni, cap dirigé par Madame Pablo Sita, 26 juillet devant Maison Blanche, pour nous demander une autre fois encore pour gouvernement Biden, Clinton, retirer pied sous cou haïtien, parce que nous sentons gouvernement, même gens, policiers américains, te mettent pied sous cou George Floyd, c'est comme ça qu'ils mettent gouvernement, équipe Clinton. Biden a mis les pieds sous Haïti, il y a tout Haïti. Eh bien, nous disons, seul moyen pour nous râler souffle, c'est voter contre démocrate. En tout cas, nous tendez, eh bien, déclaration Rosemont Jean. D'après Rosemont Jean, c'est un groupe créé qui gagne en dans CPT. Son paquet de bonnes monsieur, pour que vous capable de bon travail, pour que vous capable de couler culotte. Faut qu'on capable profiter de culotte, faut qu'on capable profiter de où pour que on capable bon travail. Et heureusement j'en ai même profité pour le passer prendre ancien sénateur Moïse Jean-Charles, d'après lui qui c'est un abolotcho politique, c'est un monde qui pas gain oui ak non, même qu'elle fin zo oui là, et bien demain si Dieu veut c'est comme si c'est non te dou, et si toutefois elle te dou non, et bien demain c'est pas étonné après non ça li changer en oui. D'après Rosemont Jean, Moïse Jean-Charles acheté un caille pour environ $700 000 américains. Gen information, gen en pile détail gen zen dans la République, ben c'est li important pour que nous te capable connait information ça yo. Pas oublier émission jodi an, li te fait spécial sous la pesa qui gagne en dans Cité Soleil, côté que gagne en pile moun en dans Cité an, qui te content jodi mercredi an, pour que yo te capable célébrer la paix qui fait entre plusieurs zones qui te nan troqué coup de balle,
eh bien, je dis là, faut me dire, c'est pas de boisson, c'est pas de champagne, c'est pas de banane, c'est pas de viande qui pas gagne en densité, hein, côté que moun cité soleil tap célébré la paix. Et puis, gagne un pile coup de balle qui a pété, eh bien, dans la zone. Dans la zone Wap Jérémy et puis la Saline, gros conflit qui gagne, un pile soldat tombé, bon côté bout de Jean-Jean, qui lui-même c'est chef la Saline, nan, et gagne Wamikano, qui lui-même prend tout balio, tout zamlio, li monte yo, pour que monsieur la Saline yo pas capable de résister. Et puis l'autre information que nous avons ensemble avec nous, amis internautes, eh bien, Fon dit que c'est monsieur ça qui est le Rosemont Jean qui fait en pile révélation, li salambe yon moun tankou. Moi, Jean-Charles, d'après lui même qui sont abolition politique, et li te passé pran tout, yon nan conseiller qui gagne au niveau de CPTA, Dr. Gérald Gilles. D'après lui même c'est mouvement Kreye qui a réglé en dedans CPTA. Si toutefois pour bon travail, faut que monsieur capable toucher. Et d'après Rosemont Jean, eh bien, chaque ministre a eu un montant de $50,000 américains pour que vous êtes capable de jouer un portefeuille, pour que vous êtes capable de venir comme ministre. C'est important pour que nous soyons capables de partager l'émission, pour que plus d'amis soient capables de suivre nous et pas oublier. Si toutefois, vous pouvez faire ça, nous invitons à faire ça. Abonnez ensemble avec nous, automatiquement, information arrive pour que vous soyez capable d'informer de ensemble information que nous gagnons pour nous partager ensemble avec nous.